מבון, מבון שיח, שוישן חוכים. אהבס, אהבס קלה, מסייס דיידים. מבון, מבון שיח, שוישן. Alors, Torah Lamed Aleph, on est dans le Kitsour, passage Tête Vav, dans la brochure. Si elle n'est pas dans le site, elle va y être dans la journée, je pense, au maximum demain. Vous pourrez la télécharger, donc c'est page 14. Alors, Arketetse Nefesh Mkoach El Apoal, on a vu hier ça, Tzahir Le Daber Bepe Akisufim, Shalé Dezé Nigmar Anefesh, Yotza Mkoach El Apoal, comme je katouv, Nafshi Yatza Bedabero. Donc hier j'ai un peu insisté sur ça et peut-être que je vais encore insister aujourd'hui parce que c'est important de savoir comment l'âme, comment on fabrique une âme, c'est-à-dire comment l'âme d'abord se crée comme un fœtus, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que l'âme se crée. Alors la création de l'âme, elle se fait par le ratson, par le vouloir, c'est-à-dire lorsque je veux, dès que je veux, en bas, ça déclenche en répercussion un vouloir d'en haut. Le vouloir premier, ça s'appelle un vouloir féminin. La conséquence du vouloir second, c'est le vouloir second, il est masculin. Le masculin, il doit toujours être tiré par le féminin. C'est ça la fonction du masculin. Le masculin lui-même, il a besoin d'être appelé par le féminin pour commencer à réaliser ce qu'il doit réaliser sur Terre. Alors au niveau du zivoug, au niveau d'avoir un enfant, à tous les niveaux, le point de départ, c'est le point de départ féminin. C'est le premier appel. Alors, quand quelqu'un a un vouloir, quelqu'un veut s'approcher d'Hachem, il a le désir de s'approcher d'Hachem, il déclenche tout de suite, ça s'appelle un vouloir féminin, parce que c'est un appel. Un appel à quoi? Un appel, un désir vers quelque chose. Maintenant, dans le cas de l'Avodat Hachem, c'est un désir de se rapprocher d'Hachem. Donc lui, sa façon d'exprimer le désir par le vouloir, c'est quelque chose de féminin. Ça entraîne automatiquement un appel masculin vers Hachem. Et là, il y a formation de l'âme. À ce moment-là, il y a formation de l'âme. C'est-à-dire, de la même manière qu'il y a un fœtus qui se fait par la partie masculine et la partie féminine, il va y avoir naissance d'une formation d'un fœtus, il va y avoir, par le vouloir, on va déclencher une réponse chez Hachem. Et cette réponse chez Hachem, elle va créer une âme qui est maintenant Beibour. C'est-à-dire cette âme, elle est comme un fœtus à l'intérieur de l'âme de la personne. D'accord? Ça, c'est une étape qui se fait par le vouloir uniquement. Le désir, le vouloir. Je veux prier, je veux monter en Israël, je veux me marier, je veux étudier la Torah, je veux faire de la Tzedaka, je veux être Bessimcha. Tout ce que je veux, dès que je le veux, ça fait un appel vers le masculin qui est dans les mondes supérieurs. Il y a création d'une âme au niveau Ibour, c'est-à-dire cette âme, elle est maintenant en gestation, elle commence à grandir à l'intérieur de la personne. Pour que cette âme-là maintenant puisse naître, il faut en parler. C'est-à-dire que si je ne parle pas, il n'y a pas de naissance de l'âme. C'est pour ça que Rabbeinu rapporte bien ici ce passouk-là. Ce passouk-là, c'est pas la seule fois que Rabbeinu le rapporte dans l'Écoute Moharan. Rabbeinu rapporte ce passouk beaucoup de fois dans l'Écoute Moharan. Je ne pourrais pas vous dire par cœur dans toutes les Torah où il le rappelle. Il y a un Breslever, un Rav Breslev, qui s'appelle Rav Cohen. Lui, il vous dit chaque mot, il vous dit combien de fois il vient dans l'Écoute Moharan. C'est par exemple ce passouk, il vous dit il vient 14 fois dans l'Écoute Moharan, Torah comme ça, Torah comme ça. Il connaît tout par cœur, mais aussi tout combien de fois ça vient. Le mot tefila, combien de fois il est dans l'Écoute Moharan, le mot Torah, le mot Simcha, le mot tout, il connaît tout par cœur ce Rav Cohen. Alors maintenant, ici, Rabbeinu, quand il dit, il y a Nafshi,
Nafshi yatsa bedabero. Yatsa bedabero, ça veut dire que maintenant, l'âme, elle sort quand il parle. Maintenant, ici, Rabbeinu, il parle ici du système, de la technique de l'accouchement de l'âme. Il y a maintenant fabrication de l'âme par le vouloir, et il y a accouchement de l'âme par l'expression du vouloir dans la parole. C'est-à-dire que maintenant, quand je veux, l'âme, elle commence à se faire comme un fœtus à l'intérieur de moi-même, de mon âme. Cette âme-là, c'est le résultat de mon vouloir. Si j'en parle pas, pour l'instant, c'est en béibour. Et si j'en parle pas, ça va pas naître. Ça va rester comme ça. Bekoach en potentiel, ça va pas naître. Comme un bébé qui resterait dans le ventre de sa maman jusqu'à que sa maman elle crie. Si elle crie pas, il va rester là-bas. Mais c'est pas que 9 mois parce que Hachem il a fait qu'elle est obligée d'accoucher à un certain moment. Mais là, c'est pas comme ça. L'âme, elle peut rester comme ça à l'intérieur 1 an, 10 ans, 20 ans, elle n'est pas sortie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas exprimé le vouloir. Dès qu'il exprime le vouloir, il fait naître l'âme. D'accord. Donc j'ai bien sûr le vouloir qui est indispensable, parce que s'il n'y a pas de vouloir, il n'y a rien. Si quelqu'un dit avec sa bouche, mais il ne veut pas, il n'y a rien. C'est du bluff, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'âme derrière ça. Donc c'est pas la peine de parler, c'est pas la peine de parler, il n'y a pas de naissance à faire, parce qu'il n'y a pas de fœtus, il n'y a pas de bébé. Donc c'est pas la peine de parler, d'ouvrir la bouche, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça que le Zohar dit que les vushim, les vêtements qu'on fait pour notre neshama, en voulant, par le vouloir, ils sont plus grands que les vêtements qu'on fait par l'action. Parce que l'action, c'est le résultat de la parole, une fois qu'il y a eu le vouloir. D'abord, il faut vouloir. Avant tout, il faut vouloir. Si on ne veut pas, ce n'est pas la peine de commencer à faire, ça ne sert à rien. Il faut d'abord vouloir. Ensuite, il faut l'exprimer et après, il faut faire. Ça, c'est la démarche normale pour que les choses soient betikoun. Qu'est-ce qu'on appelle yichud kucha b'yichud shrinte, qui est un yichud dans takash b'yichud la shrida et qui est une essence de neshamot dans le monde. Maintenant, si je veux quelque chose de bien et si je l'exprime avec ma bouche, ça y est, il y a une essence de l'âme. Cette âme qui va naître, elle va aller rencontrer des gens, des individus. Elle va procréer, c'est-à-dire qu'elle va prendre des gens. Elle va venir s'initier dans l'âme de certaines personnes. Elle va leur donner envie de faire tshuva, envie d'aimer l'âme Israël, envie de faire toute chose de bien qu'il peut y avoir dans le monde. Maintenant, quand les Bnei Israël, ils ont reçu les mitzvot, alors ils ont reçu une possibilité énorme déjà de fixer le vouloir dans des choses qui sont très pratiques, c'est-à-dire parce que les mitzvot, elles sont claires. Maintenant, de la même chose chez les Noachis, ils ont des mitzvot très, très claires que HaKadosh Baruch Hu leur a donné, qu'ils doivent mettre des tribunaux, qu'ils ne doivent pas blasphémer, qu'ils ne doivent pas faire Avodah Zara, qu'ils n'ont pas le droit de faire des unions qui sont interdites, toutes les unions interdites de la Torah, qu'on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, avec sa fille, avec sa mère, avec sa belle-mère, tout ça, tous les liens d'homosexualité, tout ça c'est interdit. Ils n'ont pas le droit de manger Ever Minachai, c'est-à-dire un membre d'un animal vivant. Ils n'ont pas le droit de tuer, ils n'ont pas le droit de voler. Voilà, il y a 7 mitzvot des Bnei Noach. Celui qui fait ça, il s'appelle qu'il est en rapport avec Tikkun HaBrit, c'est-à-dire qu'il est en alliance avec la volonté du Créateur dans la création. Si quelqu'un y transgresse ça, par exemple, toutes les religions, c'est interdit. Le christianisme, c'est interdit. Le bouddhisme, c'est interdit. Toutes ces religions-là, c'est assour. Tout celui qui rentre là-dedans, il s'appelle Pogem Bebrit, c'est-à-dire qu'il n'est plus, il sort de l'alliance avec Hachem. Et après, les conséquences, il les assumera avec tout le reste, tous les dégâts qui vont être faits avec ça. Mais si quelqu'un il garde les 7 lois noachites, il est en rapport avec HaKadosh Baruch Hu dans l'Alliance. C'est quelqu'un qui aide au progrès de l'humanité. Il s'appelle Juste des Nations et il a Chelek l'Olam Haba. S'il fait ça. Nous, on n'a pas 7, on a 613. C'est sûr que ces 7, elles sont dans les 613. Mais l'homme Israël, il a 613 mitzvot qu'il a reçus, que nos ancêtres ont accepté et que nous, on a accepté de fait. C'est-à-dire, c'est de fait. On n'a pas besoin... Il y a les gérants de paille et les gérants de fait dans une société. Maintenant, le gérant de fait est celui qui est... Nous, on est de fait. C'est-à-dire, on a accepté les tariag mitzvot. Et les noachiques, ils n'ont pas besoin de vouloir ou pas vouloir. C'est une condition
in aequanon à la création de monde, du monde, comme si quelqu'un voudrait ne plus respirer, ou ne plus manger, ou ne plus faire ce qu'il y a à faire pour nettoyer son corps, alors il va mourir. Maintenant, ça, c'est pareil spirituellement. Il y a un smic minimum, imlo beriti yomam valaila, chukot shamaim vaaretz lo santi, que ramène il l'amène. Si il n'y a pas mon alliance jour et nuit, les lois de naturel ne fonctionnent plus. Donc celui qui garde pas, le goy qui garde pas les sept lois noachites, ou le juif qui garde pas les tariag mitzvot, il s'appelle un destructeur du monde. C'est-à-dire c'est un terroriste du monde, c'est-à-dire c'est un destructeur de l'humanité. Il détruit l'humanité. Donc quand quelqu'un il arrive au niveau d'être concerné par le bien et qui veut le faire, uniquement son bon vouloir, ça crée une âme en potentiel. Maintenant l'âme en potentiel, elle attend de naître. Elle va naître grâce à la parole. Une fois que la parole, elle va faire naître l'âme, après l'action, elle va être automatique. Parce que l'action, c'est le résultat d'une impulsion de l'âme. C'est comme ça que l'action véritable. Et il peut y avoir une action qui vient de l'impulsion ou de la pression des nerfs, mais ça c'est une action qui ne répare rien du tout. Si quelqu'un il agit par pression des nerfs, ça ne répare rien du tout, ça ne fait rien dans le monde. Ça ne fait pas avancer le monde. Ce qui fait avancer le monde, c'est quand avant une action, préalablement, la personne elle a voulu, elle l'a exprimé par sa parole, elle a fait naître une âme, cette âme elle fait marcher le moteur, et le moteur il est passé à l'action. Ça c'est comme ça l'attitude normale d'une application. Si ce n'est pas comme ça, il ne faut pas faire, ça ne sert à rien. Il faut retourner à la case départ. Case départ, vouloir. Je ne veux pas, ça ne me sert à rien de faire. Ça ne sert à rien de faire parce que je ne fais rien. À moins que je considère mon action comme une action éducative. C'est-à-dire comme un petit enfant, qu'on lui met un talit katan à l'âge de 3 ans, on lui fait ses péotes, on lui fait un petit talit katan, on lui met une kippa, etc. Lui, pour l'instant, il ne veut pas. Parce qu'il n'est pas au niveau de pouvoir vouloir quoi que ce soit. Mais il a des parents, il les écoute. Donc ça, c'est de l'action éducative. Ce n'est pas une action qui est consciente. On parle maintenant, nous, d'actions conscientes. Les actions conscientes, elles doivent au préalable voulues, exprimées par la parole, et ensuite on passe à l'action, et là il y a tous les tikkunim. Alors ce qu'il dit Rabbi ici, « Vese shekatuv retson yirav yase, vetshav ata mishma veyoshir. » Donc le « retson yirav yase », Akadosh Baruch Hu va faire que les gens ils vont avoir le « ratson ». Hachem, il va faire en sorte que les gens ils vont avoir le ratson, et le fait que les gens ils ont le ratson, ça va faire naître l'âme. Déjà, pas naître, mais elle va déjà être en gestation, elle va déjà se fabriquer. Ça, c'est ratson. Ratson yirav yaseh. C'est-à-dire que le ratson, il va fabriquer l'âme, mais elle va être pour l'instant en gestation. Vechav atam yishma veyoshiem. Et quand maintenant ils vont l'exprimer avec la parole, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va entendre, Viyoshiem, il va les délivrer. C'est-à-dire, première étape, Ratson, deuxième étape, expression par la parole, et on reçoit la Yeshua. Kalide Ratson, Shewa Kisufim, Nasa Nefesh Bekoach. Parce que maintenant, quand quelqu'un il veut, il a des résonances, des Kisufim, des désirs de faire quelque chose de bien, alors à ce moment-là, l'âme se crée en potentiel. Veaz Nasa Bakashato Veretsono Bekoach. Et déjà, sa demande, elle est déjà acceptée, mais en potentiel. C'est-à-dire comme si le dossier, il était déjà devant sur la table du directeur, il est prêt, il est passé à la commission d'acceptation et tout, mais il faut une signature pour que ça passe à l'action. Retson yarav yase, ça c'est retson yarav yase, ça veut dire que maintenant, sa bakasha, son vouloir, il s'est déjà réalisé, mais en potentiel, pas dans la réalité. Vecharkar vechav atam shemedabrim befiyem aishtok ekut. Après, quand ils disent leur ratson avec la bouche, ils expriment leur vouloir avec la bouche, allez des yishma veyoshiem. À ce moment-là, Akash Bokhu l'entend et il les délivre. Il les délivre, ça veut dire il fait naître l'âme. Qui a l'idée à Dibour, nigmeret anefesh veyotza mikoach et la poal. Et quand maintenant ça passe à la parole, l'âme, elle se complète, c'est-à-dire le bébé, il est prêt à naître et il naît. Grâce à la parole. Première étape, vouloir. L'âme, elle se fait en potentiel. Elle est là, à l'intérieur, Beibour. On exprime avec la parole. L'âme, elle se complète pour sortir et elle sort. Elle naît. Ve'az nitsa'irim ha'otiyot ve'nasim kli. Et à ce moment-là,
les lettres, elles commencent à se dessiner et elles commencent à devenir un cli. Avant, c'était des lettres muettes, puisque c'était des lettres sans voyelles. Maintenant, ces lettres, elles ont reçu des voyelles, elles ont commencé à être elles-mêmes une lettre avec un mouvement. Elles se sont associées, elles ont donné des mots, elles ont donné des phrases. Les Kabel Tov, à ce moment-là, c'est des Kelim pour recevoir le bien. Venit Male Bakashato Bepoa. À ce moment-là, sa bakasha, ce qu'il a demandé, ça va se combler bepoal, c'est-à-dire que mamash, il va recevoir ce qu'il a demandé. Donc la méthode, elle est pas, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, et il faut insister et il faut demander. Mais faire attention de pas demander comme une machine. Il faut faire attention de renouveler le ratson tout le temps. Donc il faut revenir à la case départ à chaque fois pour renouveler le ratson. C'est pour ça que Rabbi Nathan, il appelle la Hidbodedut, il appelle Kisunfin Veretzonot. C'est comme ça qu'il appelle la Hidbodedut. Parce que là, le principe d'Hidbodedut, c'est d'abord se commencer à vouloir. Pour commencer à vouloir, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je vous ai dit avant-hier, Hidbodedut. Quoi Hidbodedut? Hidbodedut, ça veut dire s'isoler. S'isoler, ça veut dire que maintenant, tu dois prendre conscience que tu es seul dans le monde et que tu es capable seul de réparer l'humanité entière. Toi, monsieur Intel, toi tout seul, tu peux réparer le monde. Ça, si tu ne crois pas dans ça, ce n'est pas la peine, tu ne peux pas commencer. Il faut que tu commences avec ça. Est-ce que maintenant tu penses que tu es un élément important dans le monde? Oui. Tu es un élément déterminant? Oui. Pourquoi? Parce que tu es là. La preuve que tu es là, ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Si tu n'avais rien à faire, tu n'aurais rien à faire ici. Comme on dit à quelqu'un, tu n'as rien à faire ici. Qu'est-ce que ça veut dire, tu n'as rien à faire ici? Tu n'es pas à ta place ici, tu ne vas rien faire. Quelqu'un, il vient dans un magasin, il y a quelqu'un qui travaille là-bas, il s'assoit pour parler avec lui. Alors, il n'a rien à faire là-bas. Comme ils ont mis ici dans un panneau, dans un magasin, si vous n'avez rien à faire, ne le faites pas ici. D'accord? Tu n'as rien à faire, ne viens pas le faire ici. Ce rien-là, ne le fais pas ici. Il va trouver un autre endroit pour faire ce rien. Donc maintenant, si quelqu'un il est là dans le monde, s'il est né, c'est qu'il a quelque chose à faire. Quoi? Alors, on ne sait pas. Il est juif ou il est goy? Il est goy, voilà, tu as cette mitzvot de devenir noir. Commence avec ça. Tu veux plus, tu peux passer à la conversion, tu peux rentrer dans le judaïsme. Tu es juif, tu dois faire 613 mitzvot. Voilà, déjà, on te donne un plan général de comportement. Maintenant, dans les 613 mitzvot, et quel est mon chemin? Cherche. Comment je vais chercher? Vouloir exprimer avec la parole. Et après, il y a l'essence de l'âme, et cette âme elle-même, c'est elle qui va te diriger dans ta vie, et c'est elle qui va te donner ce que tu dois faire. Elle va t'indiquer, te donner toutes les indications que tu dois avoir dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de te faire de soucis. Parce que du moment où tu veux, et que tu l'exprimes avec ta bouche, le reste, ça va se faire automatiquement. Donc maintenant, l'homme, sa base de départ, c'est le vouloir. Si je ne veux pas, il faut que j'arrange ça d'abord. C'est pour ça que Rabbeinu l'a insisté qu'il n'y a pas d'iouch. Que le désespoir, ça n'existe pas. Parce que si maintenant tu rentres dans une situation où tu te désespères, ça veut dire que tu as perdu la tête complètement. Ça veut dire que tu es complètement à côté. Rabbeinu, il te dit, ne perds pas ton temps, le désespoir, ça n'existe pas. Je vous l'ai raconté plusieurs fois, déjà je le raconterai encore. Une fois, il y avait un jeune qui voulait se suicider, il est venu me voir, et Bémet, il a vu un grand coup parce qu'il était fiancé, il avait attendu beaucoup d'années pour rencontrer cette jeune fille. Et ils se sont vus et ils se sont plu. Et Bémet, ils avaient fixé déjà la date du mariage, tout ça. Et il y a eu ce qu'il y a eu, ça s'est cassé. Et lui, il n'a pas supporté ça, il était malade. Alors il est venu me voir, il m'a dit, Avraham, tu es mon ami, tu es le seul avec qui je peux parler de ça. Voilà, je te dis, voilà, j'ai décidé de me suicider parce que Bémet, ça y est, je ne peux plus. Alors je dis, mais alors non, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te suicider? Il me dit, je termine, c'est tout. Je dis, tu crois qu'en te suicidant, tu vas terminer, mais tu ne termines pas. Si Hachem, il ne te sort pas du monde, tu ne peux pas sortir. Toi, tu veux sortir toi-même, mais tu vas renaître. La seconde d'après, tu vas renaître. Et tu vas renaître pire que ce que tu es maintenant. Parce que maintenant, tu as déjà passé 20 ans. Tu as au moins payé 20 ans déjà. Quand quelqu'un, il est prison à perpétuité, et il croit que s'il se suicide, il a terminé. C'est une façon de sortir de prison. Pas du tout, il recommence le début. Pas, on lui compte les 20 ans qu'il avait fait dans l'année, le Gilgoul d'avant. Ces 20 ans-là, on ne compte pas, il va recommencer à zéro. Vous recommencez depuis le début. Comme si vous regardez dans la Gemara, dans Nazir, vous verrez comment le Nazir, quand il y a des cas de Nazir,
ou quand il casse sa nézirut, il recommence depuis le début, même s'il avait presque fini, qu'il lui manquait une heure, et de recommencer depuis le début tout. Maintenant, un homme qui se suicide, c'est pas difficile, il est renvoyé tout de suite. Tout de suite, dès qu'il se suicide, la seconde d'après, il va renaître. Mais attention, peut-être que maintenant il est né dans une famille juive, là il va naître dans une famille de portoricains peut-être, et il devra faire maintenant son chemin, il devra commencer plus loin. Il ne sait pas. Il dit, regarde, maintenant au moins tu sais à peu près ce qu'il faut faire. Pourquoi tu vas détruire ça? Tu peux te retrouver paumé encore plus. Et bon, Hachem, il m'a écouté, il est resté comme ça. Mais après, il s'est éloigné. Il était là, il allait un peu chez les Mormons. Il est revenu ici à Meacharib. Il était un petit peu entre les. Il essayait un peu de tout. Mais bon, Hachem, au moins, il est resté vivant. Donc maintenant, quelqu'un, il a pas le choix. Il est venu dans ce monde. Rabbeinu, il te dit, le désespoir n'existe pas. C'est pas que Rabbeinu te donne une petite claque dans l'épaule et tu dis, ah, cher ami. Ne te désespère pas, le désespoir n'existe pas. C'est pas ça qu'il dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il dit, ne sois pas un imbécile, parce que le désespoir ça n'existe pas, ne rentre pas là-dedans, tu perds ton temps. C'est pas, il vient t'encourager en te disant, ah cher ami, ne te désespère pas, il y a de l'espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pas ça du tout le message de Rabbi Nachman. C'est pas ne te désespère pas en te donnant une petite tape sur l'épaule en disant, ah ça va s'arranger, etc. C'est pas ça. Il te dit, ne va pas dans le désespoir, c'est faux, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Laisse tomber ce truc-là. Cherche ailleurs. Là, c'est pas la peine de chercher, ça n'existe pas. Donc ça, c'est, si tu y crois, c'est dans tous les domaines. C'est dans Shalom Bayit, c'est dans la Tfila, c'est dans le Chinour, c'est dans la Parnassa, c'est dans la Briout, c'est dans la Torah, dans tout, c'est comme ça. Le désespoir, ça n'existe pas. C'est quelque chose, c'est une notion qui n'existe pas. C'est une invention. Comme quand ils ont dit, il y a une vie sur la Lune. Alors il a fallu qu'ils aillent voir la Lune, pour qu'ils tombent de la lune, c'est-à-dire pour qu'ils sortent de cette bêtise-là, parce qu'ils voyaient des ombres comme ça. Alors ils ont dit, il y a une vie sur la lune. Ils ont vu qu'il n'y a pas de vie sur la lune. Et il n'y en a pas la peine d'aller sur la lune. Tu demandes à n'importe quel juif, il va te dire qu'il n'y a pas de vie sur la lune. Ouais, ça va nous faire. Ah ouais, vraiment, c'est la seule chose qui nous manque, tu vois. C'est avec ça, on va couronner vraiment la bêtise et l'ânerie, tu vois. Aller mettre le drapeau israélien sur la lune, c'est là. Qu'ils aillent le mettre sur Eretz Israël, déjà le drapeau israélien. Qu'ils le mettent à Jérusalem, déjà, avant de le mettre sur la lune. Ils ne sont même pas capables de leur pays, ils ne sont même pas capables de le défendre. Qu'est-ce qu'ils vont le mettre sur la lune? C'est tout ce qui nous manque. Après, ils vont nous déporter à tous sur la lune. On va les laver là-bas. Comme ça, les Palestiniens, ils ne vont pas pouvoir grimper. C'est pour... Ah, ils vont nous faire payer l'armement. Alors, celui qui vient sur la lune, il ne paye pas d'impôts pendant 3 mois. Alors maintenant, quand quelqu'un il exprime ce vouloir, alors Rabbi Yochanan il te dit, voilà, maintenant tu as des problèmes, alors commence à vouloir, arrange le vouloir. Alors quelqu'un il dit, mais moi je ne veux pas vivre. Il dit, ben ça c'est pas bon, il faut que tu arranges le vouloir, va arranger le vouloir. Mais qu'est-ce que je vais trouver qui va me donner envie de vivre? Va te mettre dans un coin, isole-toi. Parce que tu es le résultat de trop de problèmes qui t'ont tourné la tête. Tu ne sais plus où tu es. Fais de beau des doutes. Va, sors. Va t'isoler. Prends conscience que tu es une créature d'Hachem. Donc Hachem, il t'a mis là pour quelque chose. Ok, toi, tu ne sais pas ce que tu fais ici, d'accord? Tu ne sais pas ce que tu fais ici. On va t'aider. Tu es juif. Tu as le Tariq Mitzvot. Tu es goy. Tu as les Noirs au Nord. Voilà, ça déjà, tu dois commencer à faire. À vouloir les faire au moins. Dès que tu veux les faire... Tu crées là mon potentiel. Tu l'exprimes avec ta bouche, l'âme elle naît, et ça y est, tu vas avoir l'énergie pour fonctionner. Donc ici, vous avez le secret de l'énergie de la vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle la vie? Comment on fabrique de la vie? Comment on met un moteur dans le corps d'un Ben Adam? Comment un Ben Adam qui a un niveau d'âme qui est très petit, puisqu'il n'est pas capable de faire beaucoup de choses dans la Kdusha et tout, il est faible dans la Kdusha, il n'arrive pas. S'il étudie une heure, c'est énorme pour lui, il n'arrive pas à étudier plus que ça. Alors il y a une faiblesse dans l'âme. Alors Rabbeinu te dit comment tu fabriques la force de l'âme. Il te dit, tu vas maintenant, tu peux étudier qu'une heure, très bien, alors étudie une heure. Et maintenant tu vas t'asseoir, tu vas commencer à demander à Kadosh Baruch Hu que tu veux étudier une heure de plus. Tu vas demander à Hachem, aide-moi, je voudrais étudier plus. Tu vois, il y a tellement de choses à apprendre dans la Torah et tout. J'aimerais étudier plus, je n'ai pas la force de faire ça aujourd'hui, mais j'aimerais le faire. Dès que tu vas dire ça, tu vas faire naître l'âme qui va t'aider à faire la chose.
qui va te donner la possibilité de faire la chose. C'est comme si maintenant tu avais un projet, dès que tu vas l'exprimer, il y a quelqu'un qui va te financer le moyen de le faire. Dès que tu l'exprimes, imaginez-vous que les gens qui ont des brevets ou des choses, ils trouvent comme ça. Dès qu'ils expriment leur vouloir, il y a quelqu'un qui vient et dit, ben moi je vous finance votre brevet. Bon, c'est ça qui fait que je vous coupe. Il te dit, tu veux, dès que tu veux, moi déjà l'âme, elle est en potentiel, elle est déjà créée. Maintenant, tu l'exprimes avec ta bouche, ce vouloir, l'âme, elle naît. Et cette âme qui naît, c'est une énergie spirituelle qui permet de faire la chose que tu as voulu faire. Voilà l'énergie pour le faire. Donc, c'est simple, c'est pas compliqué comment ça fonctionne. Maintenant, je dois commencer par le vouloir, c'est tout. Tant que je ne veux pas, ben, il faut que je m'arrange à vouloir. Tant que je suis en colère, et je suis révolté, je ne veux pas, il faut que je calme mes nerfs, il faut que je m'isole et que je prenne conscience que maintenant, je suis une créature d'Hachem et je ne peux pas me sauver. Je n'ai pas où me sauver. Je ne peux pas me sauver. Je n'ai pas où aller, Bichla. J'ai été créé dans un certain but. Je ne le connais pas. Hachem, il m'a aidé à le trouver. Maintenant, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Je dis, regarde Hachem, moi je veux trouver mon chemin. Moi, je ne connais pas mon chemin, je veux le trouver. Du moment où j'ai exprimé ça, l'âme qui va me faire trouver mon chemin, elle est née déjà. Maintenant, c'est possible qu'on ne me réponde pas tout de suite, ni au bout d'un jour, ni d'une semaine, ni d'un mois. Pourquoi ? Parce que des fois, on a besoin de cette âme-là pour d'autres gens, pas pour soi-même. Soi-même, déjà, on a un niveau qui est... On a un petit smicard, des fois, déjà, dans la Torah. On dit, toi, au moins, tu as un petit smicard, tu ne vas pas mourir, déjà. Mais il y en a d'autres qui sont en danger de mort. Alors ça, cette âme que tu as fabriquée avec ta bouche, je vais l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est pareil. Pour toi, c'est un investissement à long terme. C'est tout, c'est pareil. C'est comme si c'est toi qui l'avais fait. C'est pareil. C'est exactement comme si c'est toi qui l'avais fait. Quand tu passeras à la comptabilité générale du bilan de toute l'entreprise, tu verras que tout ça, ça a été mis sur ta comptabilité à ton profit. Chaque fois que tu as ouvert la bouche pour dire quelque chose de bien, ça s'est enregistré à ton profit avec toutes les actions qui ont découlé de ça. Par exemple, maintenant, tu as prié à Kadosh Baruch Hu, tu veux te marier, d'accord? Tu demandes à Hachem, je t'en prie, envoie-moi mon zivou, je veux me marier, je veux fonder un foyer dans la Torah, je veux avoir des enfants, etc. Maintenant, tu vois, une semaine, deux semaines, trois semaines, ça ne vient pas. Un mois, trois mois, ça ne vient pas. Okay. Maintenant, tu crois que ce que tu as prié, c'est rien? Pas du tout. Pas du tout. Toi, maintenant, tu peux tenir trois mois ou six mois ou un an. Il y a des gens, ils ne peuvent pas tenir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ces gens-là, ils ne prient pas. Alors maintenant, cette prière que tu as faite, que tu as créé une âme, cette âme, on va l'utiliser pour donner à quelqu'un d'autre la possibilité de se marier. C'est-à-dire que cette énergie-là, elle va aller chez une personne et elle va le pousser à se marier. Parce que maintenant, quand lui va se marier, c'est pas la même chose que toi. Lui, en se mariant, il va pas aller en Afghanistan. Il avait envie de s'enrôler dans les groupes terroristes de l'Afghanistan. C'est là où il était. Maintenant, on va utiliser l'âme que toi, tu as créée en priant pour te marier et on va donner cette énergie-là à ce jeune homme-là qui avait dans sa tête la folie d'aller rentrer, de faire du terrorisme ou n'importe quoi. Et avec cette âme-là, il va se calmer et il va vouloir se marier, il va se marier. Maintenant, ça, c'est à toi. C'est-à-dire, ce progrès de cette personne-là, avec toutes les conséquences que ça va avoir, ça t'appartient. Puisque c'est toi qui lui as donné le financement pour pouvoir réaliser quelque chose. Lui, il ne l'avait pas. Il n'avait pas de moyens de s'en sortir. Toi, tu lui as fourni les moyens de s'en sortir. C'est ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit que pourquoi les Avot, nos ancêtres, ils étaient tous, ils ont attendu pour avoir des enfants. Pourquoi Abraham, il a attendu? Pourquoi Yitzhak, il a attendu pour avoir des enfants? Pourquoi Yaakov, il a attendu? Pourquoi il y avait ces problèmes-là pour les naissances des enfants chez les Avot? Pourquoi Hachem, il a fait comme ça? Normalement, logiquement. Les premiers... La crème de l'humanité, les gens qui ont été l'image de ce qu'Hachem il attendait dans le monde, Avraham Avinu, Beibaram, c'est lui l'image d'un homme sur terre. Hachem il attend l'âge de 100 ans pour lui donner un enfant. Mais il faut quand même, comme on dit, on ne parle pas maintenant de les avantager mieux que les autres, mais au moins normal, un truc normal. Voilà, il est marié depuis l'âge de 15 ans ou 16 ans, jusqu'à l'âge de 100 ans, tu l'attends pour qu'il ait un enfant. Tu peux quand même. Et attends, tu lui promets tout le temps, il va avoir une descendance, elle va remplir le monde, des trucs et tout. Et lui, il n'a pas d'enfant pour l'instant.
Et toi, tous les jours, tu lui répètes ça. Tu lui dis, mais non, tu vas avoir des enfants, tu vois le sable, tu peux compter les grains de sable, eh bien autant tes enfants. Et lui, il n'a pas d'enfant, Bichlal. C'est-à-dire, maintenant, il ne sait même pas ce qui est en train de se passer avec lui. Pourquoi? Parce qu'avec ses prières qu'il a fait depuis l'âge où il s'est marié, jusqu'à l'âge de 100 ans où il a eu Yitzhak, avec ça, il a eu des milliers d'enfants. Pas des dizaines, des milliers d'enfants. Parce qu'à chaque fois que Abraham et Sarah y priaient, il y avait des enfants qui naissaient, des âmes qui venaient et qui faisaient faire tchouva à des gens. « Anefesh, Asher Asu Becharan » Et ils se faisaient des nefashot. Pourquoi « Asher Asu Becharan » On ne dit pas comme ça. Quand tu dis, voilà, quand tu dis quelqu'un, il a fait un séminaire de Torah, par exemple, pour approcher des gens de la Torah. On ne dit pas, il a fait des âmes. Qu'est-ce que tu veux dire, il a fait des âmes? Tu dis, bon, il a rapproché des gens, il a permis à des gens de se rapprocher de la Torah et tout, mais qu'est-ce que tu veux dire, il a fait des âmes? Non, il les a faites. Comment il les a faites? Vouloir et parler. Vouloir, exprimer, l'âme, elle est faite. Et cette âme-là, maintenant, celui qui a une carrosserie en plus, il n'a qu'à prendre ce moteur et rouler avec. Des carrosseries, je vous ai dit, il y en a des milliards dans le monde. Des carrosseries qui n'ont pas de moteur. C'en est plein. Toute l'humanité est pleine de carrosseries qui n'ont pas de moteur dedans. Et ils attendent que ça. Alors des fois, quelqu'un, il prie, il va au kotel tous les jours, et il fait des tehillim, il fait des trucs, et il voit que lui, il reste comme il est. Il ne voit pas trop de progrès chez lui. Mais il faut savoir que c'est lui, il a une multinationale. Lui, il a des. S'il pouvait voir à la bourse, il verrait qu'il a des actions dans tout ce qui se fait sur Terre, pratiquement. Rabbeinu dit, c'est pas Rabbeinu qui le rapporte, c'est écrit dans le Sfarim de Kabbalah, dans le Zohar, il dit, celui qui se lève à Khatsot, c'est quelqu'un qui a des... C'est quelqu'un, celui qui se lève à Khatsot et qui pleure sur Korban Bet HaMikdash, qui prie sur Korban Bet HaMikdash, fait Tikkun Khatsot, c'est quelqu'un qui a des parts dans tout ce qui se fait spirituel dans l'univers. Tout. Il a des parts à lui dans tout. Dans tout. Il n'y a pas une synagogue dans le monde, il n'y a pas un mariage, une bar mitzvah, un sefer Torah, une paire de tefillin, n'importe quoi qui se passe de bien dans le monde, lui, il a une part là-bas. Parce qu'il se lève à Khatsot. Pourquoi? Parce qu'à Khatsot, il adoucit toute la rigueur du monde, il vient calmer les dinim en haut, toute la colère d'Hachem et tout, il la calme, il vient consoler Hachem sur la destruction du temple, et c'est ça qui permet que le monde il existe. Donc lui, il a une part à l'existence même de tout le maintien de toute l'humanité. Il prend part à ça. Maintenant, lui, il ne voit pas. Parce que s'il voyait ça, il ne pourrait même pas vivre. Il serait mort. Il ne pourrait pas vivre. Lui, il ne le voit pas. Mais bon, Hachem, les tzadikim, ils te disent, voilà, fais-le. Écoute-moi. Rabbeinu, il te dit, écoute-moi. Rabbeinu, dans l'Olam Haba, il va te prendre, va te tirer les oreilles. Il va dire, mais pourquoi tu m'écoutes? Tu ne m'as pas écouté, mon ami. J'aurais fait de toi un milliardaire. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Je t'ai dit des choses simples, fais-les. Je te donne des choses simples à faire. Je ne t'ai pas demandé de faire des choses compliquées. Je t'ai dit des choses simples, mais fais-les. Qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce qu'il veut, le rêver? Il veut t'enrichir, c'est tout. Il veut que tu arrives dans l'Olam Haba, que tu aies une possibilité de voir Hachem à un niveau très élevé, c'est ça qu'il veut. Maintenant, si tu arrives comme un pauvre type, il va te dire, mais quoi? C'est ça un élève à moi, un pauvre type comme ça? Il va te dire, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je t'ai donné des moyens pour faire les plus belles affaires du monde. Pourquoi tu ne les as pas faites? Je t'ai dit, ouvre ta bouche. C'est tout ce que veuille quelque chose de bien, veuille le bien et ouvre ta bouche. Rabbeinu t'a dit, t'occupe pas du mal. Le mal, il n'existe pas, Bichlal. Tu es en train de perdre ton temps à vouloir casser le mal. T'occupe pas de casser le mal. T'occupe pas de ça. Toi, occupe-toi du bien, c'est tout. Veuille le bien, exprime le bien, c'est tout. Et avec ça, tu vas gagner toutes les guerres. Tu vas arriver à faire tous les progrès que tu dois faire. C'est comme ça que le Rebbe, il dit, pourquoi tu perds ton temps avec ça? Rav Levi Yitzhak Alav Hashalom, que c'est son Yotzal aujourd'hui, il nous disait, Khatsot it bodedut, ça suffit. Tu t'es levé à Khatsot, tu as fait it bodedut, ça suffit. Avec ça, ça suffit. C'est-à-dire qu'avec ça, tu as pris tout la crème de ce qui pouvait se prendre sur terre. Ça suffit. Et de ça, après, ça va découler tous les bénéfices et tous les enrichissements dans toutes les mitzvot et dans la Torah, dans tout. Parce qu'il y a des points qui sont des points qui sont les plus importants. Et Rabbeinu t'a dit, voilà, regarde, ça, viens chez moi, Ouman, Arushana, étudie Shulchan Aruch, fais de Bodedut, lève-toi Khatsot, ces choses-là, ce sont des choses qui sont la vitalité du monde. Donc quand tu fais ça, tu as tout fait. Rabbeinu dit, tu es venu chez moi, Arushana, tu as tout fait. C'est fini, ton année, elle est terminée. Ton année à toi, elle dure 2 jours, c'est tout. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah, c'est tout.
Après, le reste, c'est réglé. Tu peux te mettre dans un... tu fais un hamac dans ta cour. Si tu n'as pas des arbres, tu vas faire entre des poteaux électriques. Et tu te mets là-bas dans ton hamac, tu regardes le ciel et tu dis, bah, au Hachem, tu peux faire ça depuis le lendemain de Rosh Hashanah jusqu'à la veille de Rosh Hashanah de l'année d'après. Tu n'as rien à faire, tout est fait. Tout est réglé déjà. Parce que tu as agi sur le microcosme de l'année. Tu as pris toute l'année, elle était dans ces deux jours-là. Qu'est-ce que c'est le roche? Dans le roche, il y a tout. Pourquoi ça s'appelle le roche? Dans le roche, il y a tout. Quand on a fait sortir la tête du bébé, alors ça y est, tout est sorti. Le reste, c'est rien du tout. La tête, il faut qu'elle sorte. Si la tête, elle est arrangée, tout est arrangé. Tu as arrangé la tête de l'année, ça y est, tu as tout arrangé. Mais il faut écouter le rébé. Le rébé, il te donne des choses qui sont simples. Il faut les faire. Au moins vouloir les faire. Même si quelqu'un, il n'arrive pas. Alors, il doit exprimer. Il doit dire, regarde, moi j'ai un rave. Il m'a demandé de faire ça et ça et ça. J'arrive pas à le faire. Bon, Shalom, aide-moi. Je ne vais pas quitter ce monde comme un imbécile. Je ne veux pas, comme on dit, je ne veux pas mourir bête quand même. Je ne veux pas qu'on m'enterre comme un idiot. Je veux avoir fait quelque chose dans ma vie. Aie pitié de moi. Moi, je ne sais rien. Je sais rien. Moi, j'arrive à rien faire. Mais aie pitié de moi. Ne me laisse pas comme ça. Je voudrais arriver à faire ça. Je voudrais arriver à monter en Israël. Je voudrais arriver à marier. Je voudrais arriver à étudier la Torah. Je voudrais arriver à éduquer mes enfants dans la Torah, mes petits-enfants, etc. Je voudrais avoir pas mal ça. Je veux donner la tzedaka. Je veux pouvoir faire des choses pour la Torah dans le monde discrètement, mais avec du cœur, trouver des bonnes mitzvot à faire, etc. Donne-moi le mérite et exprimer. Il faut exprimer sans arrêt le bien. Exprimer, demander à Kadosh Baruch Hu sans arrêt. Et avec ça, on répare tout. Et ça, on ne peut rien te dire. Si quelqu'un il arrive dans l'Olam Haba, qu'il a réussi zéro dans sa vie, mais que toute sa vie il a prié pour réussir, alors il va arriver dans l'Olam Haba, il va voir qu'il avait réussi. Seulement il n'a pas vu, c'est tout. Mais il avait tout réussi. Parce que si quelqu'un il prie, ça y est, il a fait déjà la chose. La chose elle est déjà faite. Maintenant il y a un temps pour qu'elle se concrétise, mais la chose elle est déjà faite. Tout ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire la naissance de l'âme pour que la chose existe, elle est déjà faite. Ça y est, c'est là déjà. Pour ça, je vous ai dit, quand on dit chaque jour que le Beth Amikdash n'est pas construit, c'est comme si on l'a détruit. Ce n'est pas qu'on ne l'a pas construit. C'est-à-dire, si aujourd'hui le Beth Amikdash n'est pas construit, d'ici ce soir, maintenant, d'ici la Shkia d'aujourd'hui, ça veut dire qu'on a fait des Averot aujourd'hui, qu'on a détruit le Beth Amikdash. Ce n'est pas qu'il ne s'est pas construit, pour l'instant, on n'a pas le mérite qu'il se reconstruise. C'est qu'on l'a détruit. Parce qu'il n'y a pas de Inyan que le Beth Amikdash ne va pas se construire si on est Raoui à ce qu'il se construit. Si on arrête de le détruire, il va se construire. Il n'y a aucun problème. Mais il faut arrêter de faire des choses qui détruisent le Beth Amikdash. C'est-à-dire, il faut commencer à exprimer. Voilà Hachem, on veut le Beth Amikdash. On veut le Beth Amikdash. Voilà, Kadosh Baruch Hu. Je viens au Kotel, je viens te demander, te montrer d'abord que j'aime. Voilà, vous allez aller au Kotel le lundi, le jeudi matin, vous allez voir qu'est-ce que c'est l'Am Israël, combien des dizaines, des centaines, bon, Hachem, des bar mitzvot, de quelle joie, quel shefa. Vous voyez des gens venir de tout Israël, des gens avec des paniers, avec des sacs pleins de gâteaux, de trucs pour faire la bar mitzvah de leur fils ou de leur petit-fils au côté. Vous voyez la hava du Ham Israël pour le Beth Amikdash. Voilà, il y a. Quand vous allez là-bas, vous ne comprenez pas pourquoi le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Voilà, tous ces gens-là, ils veulent qu'il soit reconstruit. Ah, c'est pas assez, il faut vouloir encore. Il faut ajouter encore de la prière. Et Kabel Tov, Benitman et Bakashato Bepoal, qui est fier nefesh fait chaussé Bekoach Bepoal, Ken a assis Nekudot Lautiot, Venistarin Gam Ken Poalim, Vosin Bakashato Bertsono. Parce que selon l'âme qu'il a créée en potentiel et après en réalité, par le fait qu'il y a eu des voyelles qui se sont mises sur les lettres, c'est-à-dire que l'âme est née, alors maintenant sa Bakasha, son vouloir, il se réalise. Valze Nizdar Sederat Filot, Chesichim Lautia Kisufim Bisfatav. C'est pour ça que les Chazal, les Anshe Knesset Agdola, ils ont instauré le Inyan de Shachrit, Mincha et Arbit. Pourquoi? Pour qu'on exprime du bien tous les jours. On dit tous les jours, Atachonela Damdad, Slachlanu, Tshuva, Tse Yerushalayim. Il dit tout ça, tout ce Refoua, Parnassa, tout ça on le demande chaque Tfila. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a fait que les Chachamim, ils nous disent qu'est-ce qu'il faut demander chaque jour pour le maintien de l'humanité. On a besoin de ça. Vazayna Asean Efesh Beporal. Et à ce moment-là, quand on l'a exprimé, l'âme, elle naît mamash. Chez Ikara Nefesh, Imeadibou. Parce que le nefesh, il se crée par la parole. Beprinat, vahi Adam,
les Nefesh Chaya. Qu'est-ce qui s'appelle Nefesh Chaya? Adam s'appelle Nefesh Chaya. Le Targum, Unkelos, il dit les Ruach Memalela, un souffle de parole qui parle. Nefesh Chaya, ça veut dire quelqu'un qui parle. Qu'est-ce que ça veut dire une âme vivante? Ça veut dire la parole. C'est ça l'âme vivante. Quand maintenant tu parles, ça veut dire que tu es vivant. Quand tu parles plus, ça veut dire que tu es plus vivant. Tu vois, les gens, juste avant leur mort, ils ne parlent plus. Ils ne veulent plus parler. À un moment, ils s'arrêtent de parler, c'est fini. Parce qu'ils savent que ça, ils s'en vont. Il n'y a plus à parler, c'est fini. Il n'y a plus de la parole, elle s'en va. Parce que c'est fini. La vie est presque terminée, il n'y a plus de parole. Tant que quelqu'un... Ce qu'il faut dire, c'est pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il veut dire tant qu'il y a de la parole, il y a de la vie. Tant que quelqu'un y parle, ça veut dire qu'il est vivant. Quand quelqu'un y parle plus, ça veut dire que c'est terminé. À dire qu'il ne croit plus en la vie. Il y a des gens qui ne parlent pas. Il y a des gens qui n'expriment pas. Il y a un problème, il y a des choses et tout, ils ne disent rien du tout. Ils prennent sur eux, mais ils ne disent rien. Ah, mais ces gens-là, c'est des gens qui ne croient pas dans la vie. Parce que celui qui croit dans la vie, il parle. Et quand il parle, il arrange le problème. Parce que dès que tu l'as exprimé le problème, c'est fini. Je vous ai dit, quelqu'un, il y a un sourd de la Torah, « Altisna et achicha bilvafra ». C'est interdit de détester ton prochain dans ton cœur. C'est-à-dire, si tu as une haine contre quelqu'un et que tu ne lui dis pas, tu transgresses un lav de la Torah, une interdiction dans la Torah, sans arrêt. 10 fois, 100 fois, 1000 fois par jour, jusqu'à ce que tu vas lui dire. Tu dis, tu sais, j'ai un problème avec toi, tu m'as fait ça et ça, je t'ai prêté une fois 50 shekels, tu ne les as pas rendus, et voilà, je te dis, je suis makpid, ça me restait sur le cœur. Dès que tu lui dis ça, tu n'es plus ouvert. Dès que tu lui as dit, c'est fini. Parce que ce qui est interdit, c'est de garder dedans. Toi, tu crois que de garder dedans, ça fait moins de mal. Tu dis, si je le garde dedans, je vais lui dire rien. Ce n'est pas à peine que je vais l'embêter. Je vais aller lui dire que voilà, je me rappelle que je lui ai prêté 50 shekels qu'il ne nous a pas rendus. Je n'ai pas envie de rentrer dans des histoires avec lui. Mais non, la Torah te dit non. Si tu parles, c'est réparé déjà. Dès que tu lui dis, tu sais, j'ai un problème avec toi, dès que tu as dit ça, c'est fini, tu ne transgresses plus. Mais si tu ne le dis pas, tu transgresses sans arrêt. Et Rav Lev Yitzchak et Alain Shalom, il disait, et quand tu transgresses, il me dit, tu crois que c'est rien? Il dit, tu lui fais du mal à lui et tu te fais du mal à toi aussi. Il faut aller lui dire. Maintenant, tu n'es pas obligé d'aller crier et de lui donner une gifle, tu n'es pas comme ça. Mais tu vas lui dire, c'est tout. Tu vas lui dire, regarde, ou tu lui écris une lettre, ou tu lui passes un téléphone, tu sais quand il dort, qu'il ne va pas répondre, tu lui laisses un message sur son répondeur. Tu lui dis, voilà, je voulais te dire ça, ça fait longtemps, et que je le garde sur le cœur, il y a des histoires, des fois, que les gens, ils n'arrivent pas, ils ne les gobent pas. Des fois, quelqu'un, par exemple, pour un mariage, ils sont engagés que les beaux-parents, ils achètent la cuisinière, les autres beaux-parents, ils achètent le frigidaire. Quand c'est arrivé le moment de faire ça, alors les autres, ils n'ont rien payé du tout. Alors, ils ont été obligés, les parents d'un côté, ils sont obligés d'acheter la cuisinière et le frigidaire. Et ça lui reste sur le cœur. Maintenant, s'il arrive à s'en débarrasser et ne pas être makpid, ça c'est encore mieux que tout, mais il faut que ça soit béhémet. Mais si quelqu'un, il le garde sur le cœur, il faut qu'il le dise. À quoi ça sert qu'il le garde sur le cœur? Et ça veut dire qu'il n'est pas capable de le digérer. C'est comme si quelqu'un il a mangé, ça fait 3 heures qu'il a mangé, il n'a pas digéré. Mais vomis-le, tu vomis. Ça veut dire que ça ne passe pas. Alors ça y est, fais-le sortir. Maintenant, tu as quelque chose, quelqu'un t'a fait quelque chose, ou il s'est comporté de façon qui n'est pas bien par rapport à toi. Et maintenant, tu te sens le besoin, il y a une haine qui commence à se créer par rapport à lui. Va lui dire, appelle-le aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a le téléphone. C'est plus facile que de voir la personne, des fois face à face, c'est moins virulent, c'est moins émotionnel. Ou on écrit un mot, on envoie un SMS, on envoie un mail, ou n'importe quoi. Et ça y est, on n'est plus ouvert. Je lui ai dit, ça y est, maintenant après on va arranger, comment on pourra arranger? Mais au moins je lui ai dit, dès que je lui ai dit, je ne suis plus ouvert. Parce que c'est écrit, « Altisna et Aricha bilvavra ». Ne déteste pas ton prochain dans ton cœur. Si tu l'as sorti de ton cœur, tu transgresses plus. C'est fini. Regardez ce que c'est la parole. Alors que la personne, elle croirait que c'est le contraire. Elle dit, je lui dis rien. Et comme ça, il croit que je suis un tzaddik. Mais je ne suis pas un tzaddik. J'ai un problème avec lui. Il faut que je lui dise. J'ai un problème avec lui. Il faut que je lui dise, que je trouve un moyen de lui dire. Il faut que je prie Hachem. Et il faut que je lui dise. Ou je vois quelqu'un, il ne me parle plus. Je ne sais pas pourquoi il ne me parle plus. Alors il faut que je lui dise, voilà pourquoi tu ne me parles plus, qu'est-ce qu'il y a eu?
Je t'ai fait quelque chose, je ne sais pas, moi je suis un bel Adam, je ne sais pas, peut-être que je t'ai bousculé une fois, ou je devais t'emmener quelque part, ou je sais pas, j'ai oublié de t'inviter au mariage de ma fille, ou je ne sais pas, n'importe quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Dès que ça vient dans la parole, il y a un adoucissement, parce que la parole c'est la vie, Ruach Memalela, c'est le souffle de vie. Dès que la chose elle vient dans la parole, elle naît, c'est la vie. Quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne vit pas. Il faut parler pour vivre, il faut exprimer les choses. Et ça, ça les fait vivre. Et d'un autre côté, le mal, il ne faut pas l'exprimer. Il ne faut pas l'exprimer. Regardez ce qui nous... Je vous le répète tout le temps, mais je ne le répéterai jamais assez. Regardez comment ils nous pourrissent la vie avec les informations et tout. Parce que les gens, ils parlent de ça. Si maintenant quelqu'un était capable de regarder les informations et de jamais en parler à personne, ça serait le moindre mal. Mais les gens, ils écoutent les informations et ils crachent ça à la maison. Ils le recrachent, ils le ressortent à la maison. Ah, tu as vu ce qui s'est passé, ah, celui-là, il a... Mais pourquoi, qu'est-ce que tu crées dans ta maison? Quelle rouard tu es en train de mettre dans ta maison? Quelle présence tu mets dans ta maison? Que du négatif, que celui-là, il a fait ça, et l'autre, il a tué l'autre, et il y en a qui sont morts dans un attentat. Et là, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, avec ça? Je n'ai rien, je vais commencer à me lamenter sur toute l'humanité. Moi, j'ai des choses à faire, positives. Alors, tu rentres chez toi à la maison, tu positives dans tout. Ah, c'est bien. Ah, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est une belle journée. Même si il n'y a rien, c'est pas grave. C'est une belle journée, ça sent bon. Tu n'es pas au Baruch Hashem, une belle maison. Chaque fois que je rentre, j'ai plaisir de rentrer à la maison. Hey, tu lâches des ondes positives sans arrêt. Et ça crée des âmes. Ces âmes, elles sont dans la maison. Ces âmes, elles parfument la maison avec du positif, avec de la vie. Tu donnes à tes enfants envie de vivre, tu donnes à tes voisins envie de vivre, tu donnes à ta femme envie de vivre, toi-même tu as envie de vivre. Parce que tu crées une atmosphère qui est une atmosphère de vie. Maintenant tu viens, tu commences à faire un compte-rendu des informations, que c'est que du négatif. Que du négatif, qu'est-ce que tu fais dans la maison? La maison, elle, ça entraîne des conséquences qui sont graves. Des gens ils se plaignent, ils n'ont pas de parnassa. Les gens ils viennent et disent j'arrive pas, j'ai pas de parnassa. Mais tu sais pourquoi tu n'as pas de parnassa? Parce que tu fermes le robinet. Comment tu fermes le robinet? Tu parles des choses pas bien à la maison. Quand tu parles pas des choses pas bien à la maison, ça se ferme. Tu fermes les robinets. L'eau, elle est là-bas. La parnassa, elle est là-bas, mais elle n'arrive pas à descendre. Tu fermes. Tu te mets dans un igloo de rats, dans un igloo de négatif. Tu te mets à l'obscurité. Comme on dit à quelqu'un, il s'est mis à l'abri de la parnassa. Ça veut dire qu'il est dans un endroit, là-bas, il a ouvert un kiosque pour vendre de la glace au milieu du Sinaï. Hein, mais c'est sûr, il n'y a personne qui passe là-bas. Il va jamais vendre ses glaces. Elles vont finir par fondre. Et ça y est, quand quelqu'un il dit du mal à la maison, il rapporte des choses négatives, il crée une atmosphère négative. Cette atmosphère-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche le Shefa de descendre. Le Shefa, il ne peut pas descendre. Il a Parnassa. Cet homme-là, il est peut-être très riche, mais ça n'arrive pas chez lui parce qu'il ne positive pas, il négative à chaque fois. Et voilà maintenant en France, et ils détruisent les synagogues. Et mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Voilà, je l'ai dit ça. Pourquoi ma femme, c'est un commando du Hamas, elle va aller en France avec un Kalachnikov pour commencer à nettoyer les banlieues, elle ne va pas le faire. Alors ça, c'est pas la peine de parler. Qu'est-ce que j'ai besoin de parler de ça? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'énerver sur le gouvernement français. Et si je m'énerve sur le gouvernement français, il va faire quelque chose. Est-ce que j'ai le téléphone de Hollande? Je vais l'appeler, je vais lui dire, espèce d'idiot, pourquoi tu ne vas pas massacrer les trucs et tout? Je ne vais pas le faire. Alors ça y est, ce n'est pas la peine, ce n'est pas mon domaine. Je n'ai rien à faire moi avec ça. Alors qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que ça? Je n'ai pas besoin de savoir rien du tout. Tous les jours, je prie pour Hachem, pour l'âme Israël, pour Hachem, que le Hachem, il les protège. En Eretz Israël, en Chutz La'aretz, que rien que du bien pour l'âme Israël. Mon travail, je l'ai fait déjà. J'ai pas besoin d'aller écouter les informations. J'ai fait mon travail. J'ai prié pour la parnassa du Ham Israël. J'ai prié pour les Ivougim du Ham Israël. J'ai prié pour la refoua du Ham Israël. J'ai prié pour que tout le Ham Israël il monte en Eretz Israël. Mekabetz nitre Amo Israël. J'ai prié 3 fois dans la journée. J'ai dit que tout le monde y monte en Israël. J'ai prié pour chacun qui trouve chacun son Zivoug, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient de la simcha, qu'ils aient de la parnassa, de la refoua. Voilà, j'ai fait c'est mon travail. Mais d'aller écouter maintenant des gens qui sont en train de décourager l'humanité et d'arrêter de rentrer de l'imaginaire négatif sans arrêt dans les gens, ça y est, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est-à-dire un moment où ça y est, il faut arrêter avec ça. Ça y est, essayez, vous allez voir. Essayez, vous verrez des résultats immédiats. Essayez de faire ça quelques jours, vous verrez des résultats immédiats. Le Shefa, il se débloque tout de suite.
parce que maintenant, ça fait, quand on parle du mal, ça fait une couverture sur la maison, ça empêche que le Shefaï descende. Ça fait une cloche sur la maison. Cette cloche-là, elle empêche le Shefaï de venir, parce qu'il n'arrête pas d'émettre du négatif. Il faut émettre du positif. Maintenant, si moi, je suis un idiot, je n'arrive pas à voir le positif qu'il y a dans ma vie, ce n'est pas grave, je vais faire semblant que je ne suis pas un idiot. Comme Rabbeinu dit pour le massé du dindon. Il dit, tu crois que tu es un dindon. Bon, c'est pas grave que tu crois que tu es un dindon. Mais tu peux t'habiller comme un Ben-Adam, même si tu es un dindon. Tu crois que tu es un dindon. Tu peux mettre une chemise, tu peux mettre un pantalon, une cravate. Tu peux faire ça. Alors fais-le, c'est tout. Mais non, à l'intérieur de toi, tu crois que tu es un dindon. Ne l'exprime pas. Vous voyez, quand les Bnei Israël, quand on est sorti d'Égypte et que les Bnei Israël, ils se sont plaints. Ils se sont plaints sur des choses qui étaient précises, comme on n'a pas d'eau, on n'a pas de manger, on est truc, etc. Mais quand ils ont dit, ils ont exprimé, ils se sont endeuillés sur le fait de rentrer en Eretz Israël, ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit, ça y est. Là, ça, c'est terminé. Pourquoi? Parce que maintenant, Hachem, il t'a dit que c'est bien, d'accord? Il te dit, Eretz Israël, c'est une vie, un pays de bien. Il coule le lait et le miel, d'accord? Ça, c'est la parole d'Hachem. Maintenant, toi, tu es un imbécile. Tu ne te rends pas compte de ça. Tu crois que c'est un pays qui n'est pas bien. Tu ne te rends pas compte, tu n'arrives pas à le voir, ok? Maintenant, Hachem, il t'a dit que c'est comme ça. Toi, tu ne le vois pas, d'accord? Maintenant, Hachem, ce n'est pas un vendeur. Hachem, il n'est pas en train d'essayer de te vendre quelque chose où il y a un problème. Hachem, il veut te récompenser. Hachem, il veut tenir la promesse qu'il a faite à tes ancêtres. Donc Hachem, il ne veut pas te faire un cadeau empoisonné. Hachem, il t'a donné une terre où il coule le lait et le miel. Et c'est comme ça. Et tout le temps, ça n'a jamais changé. Ah, maintenant, toi, tu ne vois pas que c'est comme ça. Toi, tu as l'impression que c'est une terre où il coule des pierres et des bombes. Ben, ça, c'est ton problème, que tu vois les choses comme ça. Mais Hachem, il t'a dit que c'est une terre qui est bien. Il coule le lait et le miel. Maintenant, toi, tu viens et tu exprimes ça, et tu dis, je ne veux pas aller, parce que j'ai entendu ça et ça et ça. Alors Hachem dit, terminé. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu as pleuré combien? 40 jours? Hein, tu vas payer 40 ans. Chaque jour, je vais te le compter comme une année. Vous voyez ça, imaginez-vous, les investissements, à quelle vitesse ça va? Regardez dans le négatif, alors vous pouvez imaginer dans le positif que c'est au moins 5 fois plus le positif. Quand quelqu'un vient en Israël et au lieu de se plaindre parce que quelqu'un lui a pris sa place dans l'autobus, il dit Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, c'est nifla, Am Israël Chai, regarde-les comment ils sont vivants, ils sont pleins d'énergie et tout, bah, c'est nifla et tout. Alors, 5 fois il reçoit, 5 fois. Hashem, il a fait payer un an pour un jour. Un jour de pleurs, il a dit, un an vous resterez dans... Alors maintenant, quand quelqu'un ne fait pas un jour de pleurs, il fait un jour de joie, c'est 5 ans qu'Hachem lui donne. C'est 5 fois plus, pour un peu qu'il a exprimé le bien. Alors quelqu'un s'habitue dans sa maison à positiver et tout. Dès qu'il voit quelque chose de négatif, tac, il le tourne. Il tourne la chose. Même si maintenant il entend quelque chose dans sa maison de négatif, oh, il dit, ouais, tu sais, les voisins, ils ont trucs, ils se sont plaints qu'on a bouché la colonisation parce qu'on fait des trucs, etc. Et tout. Il dit, ah, c'est pas grave, on va arranger ça. Bezat Hashem, après, on va avoir quelque chose de bien, ça va bien marcher. Peut-être que ce sera l'occasion qu'on va peut-être changer les robinets, aussi ce sera plus joli. N'importe quoi, le écart, c'est de sortir vite, vite de ça. C'est une prison. Le mal, on veut nous emprisonner, il faut sortir, il faut se sauver, il faut trouver un moyen pour sortir, n'importe comment. Il faut de l'imagination, il faut sortir de là. Il ne faut pas se laisser prendre là-dedans. Quelqu'un vient me raconter des choses, je ne peux pas, je n'ai pas les oreilles pour entendre, je ne peux pas entendre des choses pas bien, je n'ai pas de force. Alors je retourne la chose en quelque chose de positif. Parce que Rabbeinu, il te dit, c'est Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, Ruach Memalela, c'est pas maintenant. Il te dit que voilà, c'est Ruach Memalela, c'est Nefesh Chaya, c'est mamash des âmes vivantes qui sont des énergies positives. Que ces énergies-là, elles vont donner des actions positives. Elles vont positiver toute ta vie. C'est-à-dire que tu vas réussir, que ta femme va être joyeuse, tes enfants ils vont réussir. Tout ça, ça vient de quoi? Tu fais attention de ta bouche, tu sors que du bien. C'est tout. Tu rentres. Si maintenant tu n'es pas en forme, tu as eu un problème et tout, non, il vaut mieux que tu ne rentres pas à la maison tout de suite. Et oui, tu rentres en retard. Tu vas dans un jardin, un truc, tu t'assois, tu remontes d'abord.
tu te remontes. Tu remontes avec la mouna, la simcha, tu te remontes toi-même et après tu rentres à la maison pour positiver. Mais ne crois pas que la maison c'est un crachoir de toutes les poubelles que tu as ramassées dans ta journée. C'est pas ça une maison. Quelqu'un qui fait ça, il détruit sa maison. C'est pas les trucs des curés où il vient derrière le truc et commence à lui raconter toutes les poubelles qu'il a ramassées. C'est pas ça là, mais une maison d'un juif. Qu'est-ce que tu viens cracher tes poubelles? Garde-les, jette-les avant de rentrer. Qu'est-ce que tu viens les cracher à la maison? Tu as besoin de cracher des poubelles. Alors va dans un jardin, crache tout ce que tu as. Vas-y, sors-le. Sors tout. Et quand tu rentres à la maison, tu rentres propre. Tu rentres pas avec ça. Ça, tu rentres pas chez toi. Tu rentres chez toi pour positiver. C'est tout. Tu te rends compte? On est en Israël. Tu te rends compte ce que ça veut dire? Comment c'est Nifla? Regarde, que Jboukhou nous a donné une terre Nifla. Terre Nifla, regardez ce monsieur qui était là, qui est venu de Lille, je ne sais pas d'où il était. Il a dit comment ils font pousser des tomates et des trucs sur des toits de hangars dans le désert. Ils ont des hangars. Les hangars, ils les louent pour des sociétés. Le toit du hangar, ils font pousser des tomates là-bas. C'est des serres qui marchent avec c'est tout, ça pousse tout sur des rails, des trucs comme ça. Il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout. Et là-bas, vous avez des légumes des extraordinaires qui poussent. Regardez, est-ce que Hachem il a donné la chokhma à l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a même pas besoin de la terre, la place sur la terre il l'utilise pour habiter. Il n'utilise pas la place sur la terre pour faire pousser des choses. C'est-à-dire tous les toits de maison, ça va devenir comme ça, c'est que les gens, sur tous les toits de maison ça va être des plantations. Et les gens ils vont avoir des tomates sur leur tête, on ne va pas leur jeter les tomates sur la tête, mais elles vont pousser les tomates au-dessus de leur tête, elles vont pousser les tomates, les concombres, les séniflas, les méandres, ce qu'Hachem lui donne. Il faut positiver. Essayez de faire ça, vous allez voir, ça change tout. Tout ça se débloque, toute la machine elle se débloque quand on fait ça. Parce que les blocages viennent uniquement de ça, de l'expression du mal par la parole. Quand le mal déjà on a à l'intérieur, ça crée une âme négative en potentiel. Mais si on ne le dit pas, elle reste pour l'instant, elle est à l'intérieur, elle ne sort pas. Mais il faut pas le dire, exprimer le mal. Et eux, bien sûr, les gens qui sont dans les informations, dans les médias, eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin que les gens ils parlent du mal sans arrêt, sinon ils ne vont pas travailler. Eux, ils parlent du mal. Quand ils parlent du mal, ils créent de l'énergie négative, et avec ça, les gens, ils font la fiesta, ils font toute la vérote du monde, ils les font avec ça, puisqu'ils créent des milliers d'âmes négatives. Avec ça, ils alimentent le mal dans le monde. Donc, eux, c'est eux les médias, c'est eux qui donnent les moyens de destruction du monde. Les moyens de destruction du monde, vous le voyez, regardez ce qu'il y a eu en France. Quelqu'un, il a tué des gens, ok, ça y est. Non, il ne s'arrête pas. Tous les jours, il faut en parler. Et tous les jours, sortir une nouvelle photo, sortir, tiens, un enregistrement, regardez ce qu'il a dit. Après ça, pourquoi? Pour faire marcher le mal, encore du mal, pour réveiller le mal chez les gens. Sans arrêt, il ne faut pas que tu t'endormes. Il ne faut pas que le mal il s'endorme. Si le gars on l'étouffe tout de suite, il s'est passé quelque chose, bon, allez, shalom, on les a enterrés les gens, on fait kadish, on a terminé, Hachem il a dit comme ça, on n'en parle plus, c'est fini. Non, tous les jours, sors-le. Et encore une photo sous cet angle-là, tu ne l'as jamais vue. Pourquoi? Quand tu rentres, tu parles. Et voilà celui-là ce qu'il a fait. Ah, tu sais pas, mais il y a un truc, tu sais pas, tu ne l'as pas vu. Il y a une photo de... Mais qu'est-ce que je viens de faire? Ça y est, oublie-moi, laisse-moi avec ça. Non, on ne va pas te laisser. Tous les jours, parce qu'on doit profiter de ça pour faire du débit d'énergie négative. Et avec ça, après, il y a des voyous qui trouvent la force d'aller faire des... D'où ça vient ça? C'est les médias qui font ça. Pourquoi ils ont décidé de faire ça? Ils auraient pu décider de autre chose. Que voilà, quelqu'un, il a eu des quintuplés. Voilà, ici à Haïfa, ils ont dit, il y a, dans la même journée, il y a trois triplés qui sont nés. Et Baruch Hashem, ils sont en bonne santé, etc. Nifla. Même en deçà, on peut faire plein de choses après. Si on veut ouvrir le débat sur ça, on peut interviewer la maman, comment elle sent avec ses trois enfants, comment elle s'arrange quand ils ont faim, comment elle fait pour leur donner à manger, pour les changer, pour caresser, est-ce qu'il y a des poussettes, je ne sais pas, ça peut s'ouvrir, pour donner de la joie aux gens. Mais ils veulent pas, les gens, les médias, ils ne veulent pas que tu parles de ça. Elles ne veulent pas du tout que tu parles de ça. Ils veulent que tu parles rien que des trucs qui vont amener des âmes négatives dans le monde. Donc eux, ils donnent des sujets sans arrêt. C'est pour ça que c'est une sakana. Mamash, c'est une sakana. De ces choses-là. Parce que ça nous habitue à rapporter du mal à la maison. C'est surtout. Si la personne, elle entend ça, elle arrive à ne pas parler, c'est déjà un niveau. Mais si elle a besoin de recracher à la maison, mais qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta maison?
quel souffle de, tu amènes dans ta maison? Ce n'est pas de la vie que tu es en train d'amener, c'est du désespoir. Imagine-toi des petits enfants, des théorim, des tzadikim, ils sont en train d'entendre des choses comme ça dans la maison, tu mets des néfachotes comme ça, négatives. Après, tu t'étonnes qu'un petit enfant il s'énerve ou il a cassé un truc ou il est malade. Mais d'où ça vient ça? C'est toi qui les as amenés ces démons dans la maison. C'est toi qui les as amenés, c'est des démons, tu les as amenés avec ta bouche. Avec ta bouche, tu les as fait naître dans ta maison. C'est une responsabilité énorme que quelqu'un ait là. S'il ne peut pas, qu'il se taise, c'est tout. Qu'il rentre chez lui, qu'il se taise, qu'il ne dise rien du tout. Mais avant de parler, il faut réfléchir avant de parler. Avant de parler, il faut voir qu'est-ce que je vais dire. C'est négatif, je ne dis pas. Dis pas. Rabbi nous dit, par le fait que quelqu'un ne dit pas des nouvelles négatives, des nouvelles, des choses pas bien, alors il peut faire des Tehillim. Parce que les Tehillim, c'est quoi? C'est des louanges d'Hachem. Alors si quelqu'un s'habitue à rapporter le négatif, alors il ne peut pas faire de Tehillim, parce qu'il ne peut pas faire Alléluia. Alléluia de quoi? Il a dit, celui-là il est mort, l'autre il est tombé du troisième, l'autre il a perdu sa parnassa, l'autre il n'a plus de dents, l'autre il a un truc, l'autre sa voiture elle a brûlé. Alors, après il va faire Alléluia de quoi? Et là, il a amené une image de Khorban du monde. Qu'est-ce qu'il va faire Alléluia? Il ne peut pas faire des Tehillim, il vient ouvrir sa bouche, il ne peut pas. C'est son cœur, il ne veut pas parler de ça, il l'a rempli qu'avec du négatif. Alors ça c'est l'avoda que Rabbeinu nous demande. Et ça, c'est une responsabilité. Quelqu'un qui a une famille, qui est dans un, là où il est, il doit faire attention de créer une atmosphère positive dans l'endroit où il se trouve. Et cette atmosphère positive, elle va changer la maison. Il n'y a pas besoin de parler aux gens. Parce que quand tu as besoin de parler, ça veut dire que tu as besoin de réparer quelque chose que tu as fait de mal. C'est pour ça qu'il faut que tu parles maintenant. Mais sinon, tu n'aurais pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, mais pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu as renversé le lait? Pourquoi tu as sali le parterre? Pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Parce que toutes ces choses-là, elles ne viennent pas. Est-ce que ces choses-là, c'est la conséquence des âmes négatives qui s'amènent dans la maison, des démons qui font faire des bêtises après? Ces démons, ça fait faire des bêtises dans la maison. Si quelqu'un s'habitue, il ne parle pas, c'est tout. Il ne parle pas. Il y a des maisons, bon, Hachem, chacun comment il a été éduqué, mais moi, bon, Hachem, j'ai eu chez mes parents une matana. Jamais mes parents, ils parlaient de personne. Jamais, jamais, ni mon père ni ma mère ne parlaient personne. Ça n'existait pas qu'on parle de quelqu'un dans la maison. J'ai jamais entendu ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Chez mes parents aussi, c'est la même chose. Jamais ils parlaient des gens, jamais. Mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Que tu rentres, de quoi tu parles? De la vie de la famille. Et dans la vie de la famille, du positif, c'est tout. C'est tout, tu n'as pas besoin de parler de celui-là et de l'autre. Qu'est-ce que tu as besoin de parler des gens? Besoin de parler des gens. Tu n'es pas le responsable de si tu ne fais pas partie de la mairie, qu'est-ce que tu as besoin de raconter ce qui se passe? Tu parles des choses positives. Tu as une Torah, tu as un petit maasé à raconter d'un tzaddik, mâche ou raconte. Tu n'as rien à faire dans ta bouche, c'est tout. Chante, mange, bois, fais ce que tu veux, mais ne dis pas des choses négatives dans la maison. Ne dis pas des choses négatives parce que de dire des mots négatifs, ça fait amener des démons dans le monde. Ces démons-là, ils font détruire des choses. Ils font de la destruction dans le monde. Mamage, la destruction. Combien de gens ils sont responsables de destruction qu'il y a dans le monde? C'est avec leur bouche qu'ils les ont détruits. Afrakin al-Shalom, il dit, tu cherches des conseils, comment arranger et tout. Le plus grand conseil qui est, c'est ferme ta bouche, c'est tout. Ferme ta bouche, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Ferme ta bouche, c'est tout. Tu n'es pas capable de dire quelque chose de bien, ferme ta bouche, c'est tout. Ne parle pas. Il vaut mieux que tu fasses partie du monde du silence plutôt que de dire des bêtises. Au moins, t'as pas fait, c'est vrai que c'est pas bien, il faut faire naître des âmes positives, mais si tu passes ce niveau-là, au moins arrête de détruire. Comme il lui a dit Balak à Bilam, mais à l'envers. Il lui a dit, mais tu n'es pas capable de dire du mal, alors ne fais pas des brachot. Il dit, mais je ne peux pas, qu'est-ce que tu veux que je te dis? C'est Hachem, il a mis ses paroles dans ma bouche, je ne peux pas. Maintenant, nous, c'est pareil. Il faut demander à Hachem qui met dans notre bouche que du positif, pas de négatif. Que chaque fois que j'ouvre ma bouche, c'est rien pour dire du bien. Je ne veux pas dire des choses négatives. Rabbeinu dit, les gens, ils se plaignent que maintenant, ils disent, c'est cher. Avant, la vie, elle était moins chère. Rabbeinu dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit que ce que maintenant, ce qu'il avait, il y a deux ou trois siècles, un duc ou un prince, un Ben Adam Pachout, il a plus aujourd'hui. Un Ben Adam Pachout, il a plus que ça aujourd'hui. Voilà, avant le portable, les premiers portables qui sortaient, quand tu voyais quelqu'un avec un portable, c'est comme s'il avait un avion personnel.
Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un portable? Les gens, ils achètent pour rien les portables. Et les gens, ils parlent et tout. Rabbeinu nous dit, Akadosh Baruch Hu, il fait que le monde, il est toujours mieux. Shainer and Shainer. Hachem, il fait que le monde, il est de mieux en mieux. Qu'est-ce que tu es en train de te plaindre? Je disais, avant, c'était mieux. Mais il ne faut pas se plaindre. Bon, Hachem, c'est Nifla. Comme c'est aujourd'hui, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ça existait un moment où il y avait autant de livres de Torah, où il y avait tant de communication, de moyens de communication pour la Torah, où il y a autant d'yeshivot, où il y a autant de possibilités d'éducation dans des systèmes tellement riches et tellement, avec tellement de nuances et tout. Bah, au Hachem, regardez comment c'est Nifla. La cacheroute, ça existait. Il y a 35 ans, un fromage cachère, ça n'existait pas. L'odeur du fromage, ça n'existait pas. Le lait, il fallait aller faire traire les vaches tous les matins, il n'y avait rien, ça n'existait pas. Du lait cachère, ça n'existait pas, Bichla. Il y a 35 ans, ça n'existait pas. Aujourd'hui, va ici, même en Israël, tu as des fromageries, des magasins entiers de fromages du monde entier. Tiens. Des fromages d'où tu veux, tu as tout, cachère, avec des herchères, de tout ce que tu veux comme fromage. Mais où tu as vu des ça avec, tout ça, c'est des chassadim. Pourquoi Hachem est obligé de t'amener du fromage du fromage hollandais à Jérusalem? Il est obligé de t'amener ça. Il n'est pas obligé, mais il te l'amène. Il te dit, voilà, allez mon fils, mange, tiens, sois content, prends. Hachem, il te fait le tov. Et nous, on est massacrés par ce qu'on voit autour de nous, de sans arrêt, d'essayer de nous casser, de nous amener des choses. Et l'homme, il a une tava de ça. L'homme, il a une tava, il a un désir malsain de rapporter des choses pas bien. Parce que, comme dans la tête des gens, les informations, c'est ça, alors ils croient qu'en rapportant ça, il devient intéressant. Puisque maintenant, quand on regarde les informations, tu vois un beau speaker là comme ça, il a une belle chemise, tout ça, il sait bien parler, et il dit des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Des âneries, mais il dit comme ça, bien, et il raconte maintenant des choses, que des choses qui ne se passent pas bien, et voilà, ceux-là, ils ont tué les autres, et les autres, ils font la révolution, ils s'entretuent, etc. Ok. Alors maintenant, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Tu fais une assimilation entre l'intérêt à l'information et l'information elle-même. Alors tu crois qu'en rapportant ces informations, toi aussi tu vas être intéressant. Mais c'est pas vrai, si tu n'es pas intéressant du tout, tu deviens destructeur comme eux, comme ces gens-là qui détruisent le monde avec ces choses-là. Où ils ont appris toutes les bêtises, toutes les choses qu'ils font aujourd'hui? Ils les ont appris avec les informations, c'est déjà, ils les ont noyés avec ça. Complètement noyer le monde avec des informations négatives. Nous, il faut lutter contre ça. Même à un petit niveau, chacun individuellement, qui ne croit pas que c'est rien du tout, et peut changer le monde entier, un ben Adam tout seul, avec son comportement, il peut changer toute l'humanité. Faire attention à la bouche, l'utiliser rien que pour le bien. Zakou Bavou.